Bon, et ben si, j'avais à moitié raison et les devs sont encore une fois une bande de... Une bande de gros nazes. On va appeler ça comme ça. Le seul moyen de pouvoir faire un petit speed boost est ici. Bien entendu. Et donc, bien entendu, la seule bonne méthode, c'est... Non? Ah non, il faut que je le détruise avant. Non, 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 il faut que je... Oh là 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 là. Et tout ça. Non. En gros, pour expliquer, parce que bien entendu, sinon c'est pas drôle, il faut que j'arrive à déjà me débarrasser de cet ennemi, que j'arrive ici avec le speed boost, donc que je le... Bien entendu, il fallait que ce soit des bugs qui réapparaissent, hein, je veux dire, c'est nécessaire. Que j'arrive ici, que je prenne le Shine Spark, que je descende, que je me mette là, que je le déclenche, mais non, je ne dois pas parce que il faudrait que j'arrive ici. Oui, ça, il faut que j'arrive ici, que je le lance là, et après, quand je vais lancer le Shine Spark, je vais toucher cette petite pente. Donc il faudra que je maintienne la direction pour que Seimous, au lieu de s'arrêter simplement, se mette à courir à la place et après j'ai juste à tirer. C'est totalement pas contre-intuitif, totalement pas lourdingue à réaliser et absolument pas gênant du tout. Je déteste vraiment le Shine Spark. J'apprécie le concept de sa mécanique, j'apprécie la difficulté qu'il peut apporter. Mais je trouve qu'ils ont vraiment surexagéré sur la quantité d'énigmes qui, en plus, ils réapparaissent! Donc si vous êtes un poil trop... Bon, bref, peu importe, c'est fait, je l'ai eu. Maintenant, il faut espérer qu'il n'y a pas pire. On va te faire sauter. Ok, donc ça, c'est la sortie. Comment me dites pas? Bah non, j'ai utilisé une bombe de puissance. J'allais dire, me dites pas qu'il fallait garder le Shine Spark encore, mais ce serait incohérent. Donc si, il faut probablement quand même une accélération. Mais cette fois-ci, il nous donne de la place pour... Il faut que je le stocke avant. Ils en étaient tellement fiers qu'apparemment c'était nécessaire d'en mettre partout. Strictement partout. Donc maintenant il faut que j'arrive à... Non, mais par exemple, en plus à nouveau ça sert absolument à rien à part vous rendre cinglé. Puisque à partir du moment où... Oh, et en plus, toi là, bien entendu. Voilà, parce que ça sert juste à vous faire perdre du temps, encore une fois. C'est même pas difficile, c'est même pas compliqué. C'est juste long et répétitif. Thank you.
Ceci aurait dû me prendre, genre, je sais pas, des heures. Sans les points de restauration. Pas parce que c'est dur, pas parce que c'est complexe, pas parce que ça réclame... Je vais repartir, oui. Une maîtrise absurde de la, du Shine Spark comme tout à l'heure. Juste parce qu'ils ont fait tout le nécessaire pour que... Ça dure. Je veux dire, c'est purement sincère. J'essaye même pas de minimiser. Parce que à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous tombez en dehors, vous devez tout refaire en repartant. Et vous devez annuler tout parce que ça vous force à sortir de la salle. C'est minable. Je n'ai pas vraiment d'autre terme que minable, là, tout de suite. C'est exécrable comme... Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à le faire, j'ai utilisé... En fait, c'est surtout un gain de temps davantage qu'autre chose, mais je suppose que j'aurais probablement abandonné s'il avait fallu que je recommence ça 15 fois juste pour obtenir ne fût-ce que le premier missile. Enfin, c'est amusant que le deuxième soit aussi sadique, mais bon. Bref, on repart sur ça. Si toute la zone est comme ça, je pense que je vais très vite laisser tomber. Hein. Je dis ça, mais je suis un minimum acharné dans mon genre. Et surprise, c'est encore un speed boost et c'est encore une cochonnerie de comment est-ce qu'on fait. Alors peut-être que c'est moi cette fois-ci par contre qui... suis en train de chercher le pire là où il n'y est pas. Car il existe une autre sortie. Laquelle se trouve ici. Je suis où, là? Bah, écoutez, vous savez quoi? Vu que je me suis déjà bien enfoncé... Autant continuer. Mais a priori, non, j'ai tort. C'est encore une saleté de zone avec un accélérateur super difficile à obtenir. Bref, en voilà un qu'on aurait pu obtenir, et c'est vrai que plus tôt je l'aurais eu, mieux ça aurait été, mais... Ça impliquerait de fouiller beaucoup trop bien toutes les zones, ce qui n'est pas toujours quelque chose que je pense à faire. Bon, moi j'ai le plaisir de pouvoir déraciner ces cochonneries avec beaucoup de simplicité. Et d'une. J'allais dire et de deux, mais non. Et de deux. Je sais pas si vous êtes supposé avoir les bombes de puissance pour cette partie-ci, mais je vois pas comment vous faites ça, parce que... Ouais. Ah, d'accord. Ouais, non, si, je vois. Là encore, c'est vaguement ingénieux. C'est trop lent.
comprendre, il faut juste être un minimum rapide. Et 2-3. Mais bon, ça reste quand même vachement flanqué juste pour ça. Ouais, vous vous décédez, vous vous décédez, vous vous décédez. Merci, au revoir, bonne journée. Et ça commence vaguement à ressembler à quelque chose. Et par quelque chose, j'entends que j'ai plus ou moins tout à l'exception de 3 objets. Un qu'on va... Alors, je me mets à dire on va, je devrais peut-être arrêter. On va essayer. J'ai plus qu'une bombe de puissance, je les utilise un peu trop allègrement. Il va falloir que je me chope une statue Kozo, moi. Ou ces trucs. Allez, d'habitude, vous êtes un chouïa généreux sur les bombes de puissance. Bombe, 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 bombe. Bon, bah tant pis. Ah zut, oui. C'était plus ou moins la question que je m'étais posée d'ailleurs. À savoir, attendez une seconde, je suis ici. Et nous, on veut se laisser tomber là. Ok. Ah oui, parce que celle-ci, voilà. Ça non plus, je suis pas très très fan du concept. On met de la lave invisible pour... Et vous devez trouver laquelle c'est, puisque s'il y avait au moins une différence de texture ou de ça, peut-être qu'il y en a une, j'ai pas vraiment l'impression. Je veux pour au moins dire, ok d'accord, je vois qu'elle est différente. Mais là, ça semble être purement le mode, non non, il faut que vous tombiez dedans. Donc là maintenant, la seule chose qui me reste, c'est... En face. Genre cette zone où il faut, pour changer, de la vitesse, mais je ne sais pas comment on fait, même si j'en ai une vague idée, elle me plaît pas, mais tout ce qui est lié à la vitesse ne me plaît pas en général. Donc on va dire que c'est normal. Pour être sûr, est-ce que c'est juste ici? Non. Est-ce que c'est... Ouais, c'est là, normalement. Oui, c'est là. Tel que je l'imagine. Malheureusement, je n'aime pas ce que je mets. Il faut que j'arrive, comme la dernière fois, ici avec un speed boost, que je parte en avant. Attendez, mais je peux pas le récupérer si je fais ça. Parce que si j'arrive ici comme ça, parce que oui, on l'a vu, comme d'habitude, vous arrivez, vous avez le speed boost juste ici, ça change rien de spécial, c'est comme tout à l'heure. Bon, ça c'était pas voulu par contre. Mais j'arrive ici avec le speed boost. Ici, mettons, je continue, je vais partir en ligne droite. Donc déjà, je vais me prendre ce machin-là et je vais pas réussir à avancer. Et là, ici, même si j'arrive de l'autre côté en mode « Oui !» je vais pas pouvoir l'arrêter ici. Alors, on va faire une expérience ou deux quand même, par principe. Mais je... Non! Parce que l'idée que j'en ai, en fait, c'est quoi là? Vous arrivez ici, vous restockez,
saut, 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 boule morphing, paf, boum. Bien sûr, il faut pas se faire toucher par ces cochonneries aussi, soit en passant, bien entendu, sinon ça n'est pas drôle. Mais je ne vois même pas comment est-ce que vous êtes supposé le stocker. Enfin... J'ai rouvert la porte. On va essayer quelque chose. Je m'attends à ce que ça soit nul. Raté. Long, stupide, désagréable et par conséquent tout à fait adapté à cette partie du jeu. Parce qu'apparemment, tout, si une énigme n'implique pas l'accélérateur, ce n'est pas une bonne énigme. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Zut! Saleté. Ah, je joue plus. Ça m'amuse plus. Ça a arrêté de m'amuser il y a un moment. D'accord, comment c'était supposé fonctionner? D'accord. Donc au moins quand j'arrive tout en haut, je peux... pas réagir. Petit à petit, on y arrivera. D'accord, donc ça c'était une piège. Attendez, quoi? Comment je suis supposé passer ça? Pourquoi est-ce que je dois être supposé passer ça? Bon, attendez. Non, 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 non. Bon, après, au pire, j'ai un point de récupération, je m'en fiche. Ah oui, mais... Je suis bloqué. Je suis bloqué parce que j'ai pas de bombe de puissance. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors...
Ces blocs qui se détruisent au contact sont aussi une horreur qui mériterait qu'ils se fassent, je sais pas, qu'ils finissent en enfer pour ça. Il suffit de les frôler pour que vous perdiez votre saut. Ils se cassent instantanément et Seimus est apparemment incapable de pouvoir ressauter derrière. De sorte que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir relancer un saut. Vous êtes juste en mode, hop, 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 hop. C'est littéralement en frôler un égal, vous avez perdu votre temps. Et je sais pas comment je peux continuer. J'ai pas de bombe de puissance, puisque je les ai toutes utilisées avant et elles sont rarissimes. Tout casser ici fait que je ne peux... Enfin, ça va trop vite. Normalement, moi, de ce que j'ai compris, il y a une partie qui n'est... Qui pourrait se détruire avec une bombe de puissance. Je regardais sur Internet, hein, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Le problème, c'est que je peux pas être assez rapide. Si j'essaye de sortir... Voilà, je peux juste rien faire à cause de ces blocs qui se détruisent dès que vous les frôlez. Lui ne sert à rien, parce que dès que je touche ici, c'est la défaite absolue. Alors que normalement, si j'avais accès à une bombe de puissance... Je pourrais détruire tout, sauf certains fragments. Donc vous savez ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un félicitation, tu veux recommencer plus tard. Voilà, je vais tout recommencer. Alors, on peut espérer que l'un de ses ennemis me donne une bombe de puissance. Mais non, sûrement pas par là. Mais bien entendu, non. Donc ça se dit que ce que j'ai réussi à faire, donc j'étais très satisfait, il faut que je recommence. Complètement, de zéro. Avec une bombe de puissance. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Ce jeu commence vraiment à me rendre, je vais peut-être pas dire cinglé, parce que ce serait lui donner trop de mérite. Où est la statue Kozo la plus proche? À l'autre bout du continent! Bon, bah, j'irai là-bas pour récupérer mes bombes de puissance. Je perds mon temps, je commence à en avoir marre de le faire. Donc, je vais m'arrêter là et je retrouverai la prochaine fois pour probablement hurler davantage. Bye.